Oh là, y a du living partout, y a... Wouah! Donc, dernière fois... donc oui, j'ai le burger de 100% d'expérience, c'est quel plaisir pour XP. La dernière fois, on s'est dépêché de bouffer plein de burgers parce que j'étais en mode « Eh, j'ai pas le temps !» Du coup, on est level 77 et c'est très bien. Et on en a profité dans la foulée pour débloquer Mechanism. Nous avons donc accès à Mechanism et actuellement, en direct, maintenant, tout de suite, à l'heure que nous parlons, Pegasus est en train de préparer tous les ingrédients, et notamment les infuseurs, les fours, les trucs à améliorer. Vous savez qu'ils vont utiliser, eh bien, l'osmium, qui est le matériau de base, avec du steel aussi, voilà, steel dust, et puis là il y avait de l'osmium, mais il l'a déjà récupéré pour les composants. Pour pouvoir faire du mécanisme, notamment utiliser le digital miner et donc récupérer des minerais. Bon, je vous avoue que c'est pas le truc dont on a le plus besoin, mais de temps en temps ça nous demande des minerais, donc comme ça au moins on aura une machine pour miner, on sait bien, voilà. Est-ce que c'est si incroyable que ça? Non, mais bon voilà, on avance quoi. Donc, objectif toujours continuer de ramasser des living chests, on va avancer. La prochaine chose qu'on va débloquer, bon voilà déjà c'est le digital évidemment qui nous manque. Après peut-être j'irai bien sur les brews. Les brews qui demandent 24 recherches, oui je pense qu'on va faire ça pour avoir une potion encore plus puissante qu'avant. Voilà, mais alors du coup elle est là, la modifier, putain je l'avais pas vue. Ok, voilà, et on peut changer les modifiers. Remove crafted modifier, là tu peux enlever ceux que t'as crafté, c'est nouveau ça. Et voilà, et donc ici, vous devez, voilà, vous devez découvrir les items. Voilà. Et il demande d'avoir des préfixes ouverts. Parce que tu peux vider en fait les préfixes d'une arme, comme ça tu peux lui injecter directement les choses qui t'intéressent. Et donc c'est ici qu'on débloque des choses. C'est ici qu'on débloque notamment les trucs qu'on a trouvés, qu'on a découverts dans les donjons. Alors évidemment, je crois que j'ai rien débloqué pour les armes. Parfait. Est-ce que je rajoute des modificateurs pour ajouter des coffres en plus dans ce donjon scavenger? Mais en même temps, on ne sait pas sur quoi on va tomber, donc c'est peut-être mieux de laisser l'aléatoire. On va trouver des sacs. Alors si c'est un scavenger, il me faut des orneils. Mais comme tu le dis, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc, Bah après, je peux en mettre un peu de tout, hein. C'est juste que ça va nous gaver un peu plus. Donc au pire, regarde, tu sais, pour ajouter des coin stacks aussi. Ouais, un de plus. Ça veut dire que t'as plus de coffres ou plus de trucs dans les coffres? Ou est-ce que t'as plus de... Alors, je crois, quand tu dis il y a 75% de plus de vine chest, par exemple, c'est si tu vas dans un endroit où il y en avait 4, t'en auras 3 de plus. T'en trouveras 7. Par contre, les 7, c'est, tu sais, les coffres que tu croises dans des coins qui apparaissent de manière aléatoire. Ouais, les aléatoires, ouais. Et ben, je pense que c'est le... Si tu mets les 2, ça veut dire qu'un 7 peut avoir l'augmentation de... Ouais, je crois, ouais. Ouais, je crois, ouais. Alors, le problème, c'est que toi, pour les Hornets, malheureusement, j'ai rien à part deux randoms négatifs. Il veut pas que je réussisse mon bounty. Voilà. Mais je te mets des Hornets quand même. C'est-à-dire que tu seras. Attends, c'est un size de 15, lui. Attends, je vais essayer de te prendre une size plus petite. 10, voilà. Size de 10. Donc là, j'ai deux Hornets. On va essayer de faire le Wealthy avec le Coin Stack qui va nous rajouter un Wild. Bon, toi, tu as besoin des Hornets, donc ça veut dire que les Living, j'en mettrai moins. Ah, mais le Living, il est à 14. Le Living est à 14. Je vais essayer de me faire un Living à 10. Si je fais un Living à 10, c'est gagné. Ah, attends. C'est là que ça devient intéressant, la customisation des Volts. Je prends un Living. Bam, Living, la size est de 10 quand tu les crées. Donc, forcément, il me reste 13. Bam, voilà. Maintenant, on a 2 Gilded, 2 Living, 2 Hornets... Et du coin stack. Quand même. J'ai pris une capstone qui permet de révéler les portes de donjon pour mettre toutes les chances de notre côté. Putain, il me faut des saddlebags. Oh, des green bangle, des droned hide. Oh, des old boots. En vrai, ça pourrait le faire. Mais. J'ai plus de mana. Oh la vache. Ah, je suis en normal, j'ai un donjon undead. Oh, avec des ornates. Alors. Bon, le problème, c'est que j'ai besoin de... Saddlebag, il me faut... Attends, il me faut combien de saddlebag? Ouais, mais il faut que j'ai eu, moi... Oh, par contre, j'ai pas vu les malus qu'on avait, On n'a pas un malus sur la mana? Parce que j'ai l'impression que j'ai pas de mana. T'avais des trucs, toi? Ah oui, mais toi, c'est pour ta quête. Mais moi, j'en ai besoin pour les... Ouais, j'ai été obligé, quand même. Moi, c'est pour le bounty. J'ai pas... J'ai même pas vu les malus. Vas-y, on va voir ça.
pas sur une autre. Aïe. Oh, il y a une archive. J'étais 4 Lornel High, donc t'as plus besoin d'ouvrir la limite. Nickel. Nickel. Bah écoute, moi j'ai mes saddle bags, c'est trop bien. Et j'ai... C'est une... Attends, c'est quoi? C'est une archive ou pas? Modifier archive. Vault boot, vault sword, dungeon damage. Ok, bon, c'est pas énorme, mais c'est bien. Et... Oh non! Putain, ils ont un champion SRL. Ah bah ça y est, j'ai enfin rencontré le champion SRL. Horrible. Ça va que c'était juste un dweller. Ok. Alors, j'ai toujours pas ce que je veux. Il manque toujours une Drowned Hide. Et j'ai toujours pas de Skeleton Bone Shard, on est d'accord. Et le Skeleton Bone Shard, on a rien eu. Ouais, ok. Une salle de petit minage, donc je fais, mais j'y crois pas trop. J'ai une grosse salle. Il te faut quoi? Des bonnes shards, toi? Il faut quoi? Ouais, Skeleton Bone Shard. Il t'en fallait combien? 9. 9? Oh non, c'est abusé. Je viens d'en drop 9, mais moi, il m'en faut 5. Attends, je continue de miner. J'ai full minage ici. Je peux peut-être y arriver, mec. Avec ma pioche de ouf, là. Eh, parce qu'il reste plus que 2 minutes, quand même. Ouais. T'as de quoi manger ou pas, toi? Ouais, j'ai quelques kiwis et je dois avoir 2 bitter lemon. C'est bon, je l'ai trouvé. Oh là là. Challenge là. 124 000. Alors tu disais... Attends, pour le Digital Miner, il nous fallait un Omega Pog, c'est ça? Ah oui. J'ai quasiment fini, hein, Digital Miner. Ouais, mais il faut... Je carbure, hein. Mais du coup, ils font un Omega Pog. Eh ouais. Ah, mais tout le reste est pas trop cher. Mais il faut un Omega Pog, quoi. Alors, est-ce qu'on a augmenté un peu dans les sets? Oh, les armures! Les armures sont meilleures! Au moins, j'ai du stun à 19. C'est un poil plus léger, mais ça reste du stun. Et j'aime beaucoup le stun. On va garder ça. Et on rajoute... Moi, bon, ouais, je me doutais que ça serait un peu de la durabilité, mais voilà. Je fais 7% de dégâts sur les damages. Là, c'était assassin damage à 7%. Ça fait 324! Ça fait 324 Black Opal récupérés si jamais on fait ça. Oh, on en a 500. Ça fait un peu mal au cul quand même. Et ensuite, pour les minerais, on en a 8 par 9, donc 72. Il nous reste à peine un tiers de ce qu'on a pour tous les minerais. Il nous restera un tiers parce qu'on a à peu près une centaine de minerais. C'est trop. C'est trop. Officiellement, c'est trop. Voilà. Est-ce qu'on a un mode qui permet de farmer les mobs? Kagerium. Bah il faut ça. Ça permet de récupérer les loots des mobs. Mob spawner. Des spawners qui sont plus rapides que les vanilla spawners et peuvent être configurés avec un mob egg à spawner où vous voulez. L'un ou l'autre. D'accord. Alors, je sais pas lequel est le bien. Parce que c'est vrai que l'autre, on peut mettre l'autre, le truc de spawner, on peut y mettre directement des œufs. Et comme on a plein de mysterious eggs, ça va être très facile à faire. Mais si Kagerium, tu peux le programmer, tu vois, par exemple, si je veux des Undying Totem et je lui dis oui, j'aimerais des Undying Totem et il me les donne, putain, et ça, c'était la solution depuis le début, j'avais pas vu qu'en fait, il y avait des trucs de spawner pour le faire. Ça va être beaucoup plus rapide. Donc, on a 7 modifiers, c'est full living. L'objectif, faire un max de trucs. Si on trouve un donjon, un truc... 80% de montant de mobs spawnés. Tu vois, pillage for loot, là, attends, je check. On va peut-être se faire baiser, hein. Ah non, voilà. Il y en a, ils sont gratuits. Bon, peut-être que ça se trouve, ils donnent pas grand-chose, mais... Ah si, ça va. 92 000, du coup, ça a donné. 65 000. Putain, j'ai encore pas cliqué, fais chier. Arrête de me parler. Viens fermer ta gueule, maintenant. Putain, niveau 77, j'ai 0 buchette avec tes conneries. C'est bien. 7 knowledge, 8 knowledge star. Ok, good. Oh, c'est bien quand même.
Donc on a une clé, et c'est une clé en xénium, donc c'est une porte plutôt violette. Hein, allez, c'est parti. Oui, j'ai pas mangé mon trottoir. Un cake en face, en plus. Merci, Oka, okay, pour le 37e mois. Oh, y a du living. Oh, ok, je pars me battre. Et en dessous, soit les au-dessus, en tout cas, elle est proche de l'entrée. Ouais, ouais, ouais. Non, bah, ça brille super fort, hein, là où je suis, donc... Ok, bah, j'étais en train de vérifier en haut, mais ouais, je vais descendre. Ouais, ouais. Ah, je descends pas, y a du living en haut. Oh putain, l'arbre à l'étrier. Yeah, meurs vite, meurs vite, meurs vite. Oh. Ok. Ça fera 31. Et maintenant, vous pouvez cliquer. Et quand il y a le compte à rebours du 3, 4, 2, 1... Il continuait le compte à rebours, hein. Même pendant que je cliquais sur le piédestal. Hein. Ouais. 78, donc... Il y a eu un lag. Ah, peut-être. T'es pas mort? T'es mort? Non, je suis pas mort. Ah, oui. J'ai cliqué, il est resté 3 secondes. Et... Boum! Un artefact! Enfin! Hop là. Et on l'a déjà. Relic booster, eh ben j'en ai eu 0. Et on l'a déjà. Parce qu'ils nous ont fait 4. Et on ne manquera plus jamais de bûches de chêne noire. Pourquoi? Avec toutes celles que j'ai minées. Hein. Allez, deuxième chance. Oh! Mec! Celui-là, on l'avait pas. J'ai le 3105 discal. El Famoso. Il nous en reste plus qu'un. Je sais même pas à quoi il ressemble. Mec, il nous en reste plus qu'un. Le dernier. Oui, le live de ce soir était rentable. J'étais un peu désespéré parce qu'on trouvait plus trop d'artefacts. Trop bien! Allez! Plus qu'un, putain, plus qu'un! Ça donne quoi au final quand tu les as tous un bonus? Ah, c'est la fin du jeu! C'est le Volt final! Les 25 artefacts, c'est le but même de Volt Hunter en fait. C'est son objectif principal. À partir du moment où le dessin est complété, je clique sur le livre et il va me donner un Volt Cristal qui sera le Volt final, le dernier Volt du boss. Eh ouais! C'est ce pourquoi on joue en fait. Vraiment! Et comme il y en a 25, et que quand tu cliques dessus, bah t'as une chance sur 25 d'en avoir un. Forcément, c'est pas de tourpeau. 40% de mobs qui spawnent. Ouais. 20% de dégâts. Tranquille. Franchement, tranquille. C'est bien. Alors, il me faut des purple mobs. Ah, 10 blood vial. Spider sous le charme. Skeleton bonne charme. Dronehead hide. Difficulty hard. Oh putain, j'ai un donjon à living. Après, difficulty hard. C'est quoi comme mob? Oh, c'est des squelettes, donc je suis tranquille. Oh oui, ça va. C'est du gentil. J'avais pas vu ma vie. J'ai quand même failli me faire défoncer. C'est quand même une donnée importante à surveiller, hein. Oui, il y a un moment, j'ai... Ça va en fait, c'est pas que les mobs étaient trop puissants, c'est juste que j'ai oublié de regarder. Personne pourrait essayer Réol. C'est pour le petit déjeuner, les Réol. Ah, Summon level 5 Raft Totem. Level 3 Charme. Ah, j'ai enfin eu un truc de potion. Warf Totem. Ouais, et j'ai pris un level 5 Warf Totem là. Ça a l'air pas mal, genre tu bois ta potion, il y a un Wrath Totem. Alors je sais plus ce que ça veut dire Wrath, mais normalement c'est le truc de vengeance, ça doit faire des dégâts ça. Ouais, un truc genre colère, un truc comme ça. Ou... Ouais, peut-être ça peut buff ou autre. C'est pas un truc comme ça. J'ai trouvé une colonne vertébrale avec full pièce dedans. Oh oui. Oui. Alors j'aurais bien mis de l'eau, mais en fait non, mauvaise idée.
J'ai 7 Skeleton Bone Shard et 6 Skeleton Wishbone. 7 Skeleton Bone Shard, il m'en faut 10. Ah la vache, ok. J'ai pas encore fini, il reste un petit coin. Ornate, ça va, t'as ce qu'il faut ou pas du tout? Ah, pour l'instant, j'ai pas regardé. J'ai dû en miner 3-4, mais ça m'étonnerait que j'ai ce qu'il faut. C'est un petit jar? Ouais. Il faut que je me mette à l'abri avant de regarder. J'en ai 3. Petit jar, j'en ai 3 aussi, bah alors c'est bon du coup. Ouais, je viens de tomber sur un truc à Ornate, donc je les ai drop quand tu m'as dit ça. J'avais une bonne zone là. Eh, il y a des zones de plus en plus sympas, je trouve. Je découvre des zones que je connaissais pas. Oh, pas gilded. Je suis dans une salle à gilded. Let's go. Je suis dans la grosse salle Astrolabe là, full gilded. Astrolabe, si tu le dis. Tu sais, c'est le truc avec le globe au milieu et des bibliothèques avec des gilded partout. Ça me dit quelque chose, effectivement. Ouais, je suis refait. Donc après, je peux aller chercher des trucs pour toi. On est d'accord? T'as combien de spiders sous le charme? J'en ai 3, il faut que je rouvre mon inventaire pour te le préciser pour être sûr, mais normalement ouais. J'en ai 3. Confirme-le moi quand même que je sois pas... Ouais, dès que j'ai plus de monstres. Et je fonce chercher des livings. J'en ai 4. 4, moi j'en ai 3. J'en ai trouvé un nouveau entre temps. Rends violent, Vault Hunter. Ouais. J'ai trouvé un zombie arme, c'est bon. J'en ai 4. Oh, c'est magnifique. Viens, c'est bon. Au pire, allez. Ramasse-en un petit peu, mais il faut qu'on rentre au portail quand même. Hein. Ça et ça. Tiens. Attends. Est-ce que j'ai le Skeleton Bone Shard? Est-ce qu'il te manque des trucs, dis-moi? Jet script, j'ai ce qu'il faut. Skeleton Wishbone, j'ai ce qu'il faut. L'homme petit jar, j'ai ce qu'il faut. Et zombie arme. Zombie arme, tiens. Zombie arme. On voit 4. Zombie arme, c'est bon. Ok, go. Allez, on a 2 minutes 39 pour trouver un scavenger. Run. Il y a un altar. Vas-y, je le prends. Non, mais vas-y, mec. Il reste 1 minute 44, putain. Je dois tuer 47 assassins mob. Excellent. Tiens, la salle de minage dont je te parlais. Vas-y, scan. J'ai pas. Je peux pas scanner, moi. Pas encore de scannage. Ah, il vient de popper. Y'a rien. 1 minute. Tu es dans la salle là? T'es dedans, maintenant. Il est en face, c'est bon. Allez, mais je vois rien, putain. Je savais que j'en avais croisé un qui était bien visible en plus. Ok, vas-y. C'est bon. Quelle tristesse d'être... Ah. Aïe. On a loupé les donjons pour lesquels on était venus. Vol completed. Oh, la bounty complète. Oh. Non, yes! Yes! Enfin! En 4 secondes pour buter l'araignée! Oui, j'ai buté l'araignée, champion! Elle était trop chiante, t'as buté! Bounty completed! Wouh, c'est la fête! Ah, tu l'avais bien entamé, j'ai pu la finir, c'était bien! Ouais, putain, en plus avec son vampirisme de mort, même mort là, elle continue de me bolos! Par contre, je vais passer 79, hein! Quelle honte! Ah ouais, it's time for burger! Et comme ça, on augmenterait les dégâts qu'on fait avec celui-ci. Donc là, c'est maxé. Bon, et alors l'expertise, j'en ai 2. Bon, l'artisan, je vais être obligé d'en prendre une d'artisan parce qu'en vrai, ça, en fait, 60%, c'est, il faut au moins ça. Infuser. Je vais prendre l'infuser comme ça, je suis à 60% parce qu'en vrai, c'est très utile. Alors, je vais mettre extra résistance. Voilà, quand je suis en dessous de 20%. Ça, je vais le up. Lorsqu'il ordonne, gain extract knockback résistance. Stone shard, ouais, on va prendre ça. Bon, j'ai dépensé mes points, c'est bien. Et je suis level 80. Caillou. Ah, mais t'es que 78! Ouais. On peut les faire! Par contre, alors attends. Echoing ingots. Oh! Quoi? What? Tu vois, même avec ce qu'on a, on en a 60, parce que voilà, j'en ai miné pas mal, t'en as récupéré en quête, tout ça, mais... Un lingot, c'est 9 échos, 16. On a fait la moitié déjà, hein. Parce qu'en fait, dès qu'on aura chopé ça, on va pouvoir farmer des mobs, et justement, on aura plus de problèmes. En fait, c'est con, j'aurais su. J'ai juste pas regardé les mobs, les mods qu'il y avait, tu sais, j'ai pas lu.
Alors que le truc disait directement oui, tu mets les mobs dedans et ensuite ça te donne des loots. Voilà. 7 ornate. 7 wooden, 3 living, 5 rapide. Ah merde. Alors, 20% de dégâts, tranquille. 25% en vitesse. Ouf. 20% de mob damage. Ouais, par contre, un seul wild. Un wild. Chunky mob, 40%. Ah. Bien. Oh là, il y a du living partout. Wouah. Oui. Je suis à 13 sur 18. Mec. Oh, c'est une dinguerie. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Laisse-moi les living. C'est bon. J'ai jamais eu une faveur aussi vite, je crois. Ça donne quoi, ça? La régénération, 100%. Et 50% de cooldown réduction. Ah, j'avoue les coffres, là, mais... Living. C'est toujours du living de l'ornate, enfin il y en a partout. Hein. J'abandonne. À chaque fois je dis, ouais, je vais reprendre un truc, t'arrives, il y a des coffres. C'est impossible. Dans 2 minutes, on risque de se prendre un sacré malus, hein. Prépare-toi quand même. Ouais, 2 minutes 48, ouais. Moi aussi. Hein. Je viens de tomber dans le liquide. 5 minutes. Ah super, il a tout cassé. Ouais. Il est visible, il se verrait inefficient. Ah super. Ça c'est la merde. Verry c'est total ou c'est juste beaucoup? Non, tu te heal mais vérifie. J'ai trouvé un autre pilier, mais alors 8 ça va piquer. Tu peux te soigner mais fais gaffe quoi. T'as trouvé un pilier, putain il m'en faut un là. C'est quoi mon malus? C'est quoi mon C'est bon, c'est que les coffres, qui sont à moitié remplis, on s'en fout. Ok. En 3 minutes, vas-y, je rush. Je vais essayer de trouver le dernier pilier. Et on peut le faire, Caillou. Je peux aussi crever, hein. J'ai trouvé le pilier. Ah, mais est-ce que je peux l'activer? Putain, mais je suis tombé, mais non, mais oh, pas possible. C'est combien pour soigner? Oh, j'ai régénération pendant 2 minutes. Est-ce que je peux l'activer pendant que tu le fais ou pas? Ouais. Oui, c'est bon. Ok. Ah putain, même la potion, elle oui. Soit plus. Oh la vache. Ouais, mais ils m'ont poussé, mais vas-y. Et évidemment. Mais quoi? Je fais aucun dégât. Ton épée, elle est pétée ou quoi? Mais non. Il me défonce. Oh vas-y. On peut le faire. Non, je vais mourir là. À court. Oh c'est abusé. Pourquoi je fais si peu de dégâts? Oh non. Ok, j'ai fini le mien. Si j'arrive à te trouver avant que tu meurs, c'est cool, mais j'y prends pas trop. Je suis grave dans la merde. Aïe. Oh! Bravo! Ils m'ont saoulé! J'ai pas compris pourquoi je faisais si peu de dégâts d'un coup! Je crois qu'ils m'ont mis weakness, ouais. Il y a un truc à un moment où j'ai dû tomber en weakness, je sais pas. Heureusement que j'ai un pylône de régène, hein. Putain! Ah, ils m'ont rendu fou, hein. En plus, le saut là, je me suis cassé la gueule 15 fois. 106 000. Ah. Oh. Je viens de choper un préfixe légendaire et son implicite est à 22 d'armor. Oh. Ah bah ça. On en a fait 22 quand même. 22, ce qui va nous permettre quand même très prochainement un ou deux trucs. Ah c'est 30. Il nous manque 8 knowledge essence. Donc on a bien tryhard, sachant que maintenant on a le digital miner. Et ben voilà, c'est fini. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. Merci pour votre soutien, votre présence, comme d'habitude. Les lives tous les soirs, 21h, 22h. Et vous avez tous les liens dans la description si jamais vous voulez voir le planning. De toute façon, il peut changer à chaque fois, mais il est dispo partout. Hein. YouTube, Twitter, Discord, machin, vous avez tout, donc n'hésitez pas. Et du coup, je vous fais des bisous, puis on se dit à bientôt. Au revoir. Allez, ouais.